Annyeong, bienvenue dans le K-Charts du mois de mai, semaine 2, le classement de la Yusan Unit, vos votes, etc. J'ai tout compté et du coup, on a un tout nouveau classement cette semaine. Si tu connais pas ma chaîne, si tu connais pas le classement, le K-Charts, comment ça fonctionne, je t'invite tout simplement à lire la description de cette vidéo parce que j'explique assez rapidement comment ça marche, comment tu peux voter, blablabla. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, bah, on va trêve de discussion quoi. Je vous montre tout de suite le classement et puis bah, on en discute après, comme d'habitude. Allez, c'est parti!
si t'aimes bien le K-Charts et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire de plein de façons différentes. La première, c'est via Utip. La première, en faisant un don, tu me fais le montant de ton choix. Et la seconde option, c'est tu regardes une petite vidéo. À chaque fois que tu regardes une petite vidéo, bon, en fait, c'est une pub. À chaque fois que tu regardes une petite publicité, ben, en fait, on me reverse 5 centimes. C'est mieux que rien, mais moi, je prends, quoi, tout simplement. Donc, si tu veux faire ça, tu as le lien en description de cette vidéo pour m'aider financièrement vis-à-vis de la chaîne. Mais tu peux aussi m'aider gratuitement d'une manière, tout simplement, ben, en commentant, en partageant cette vidéo, par exemple, si tu l'as bien aimé, ben, ça aide aussi une chaîne. Voilà. Et félicitations à GOT7 qui ont leur toute première victoire ever dans le K-Chart, suivi de Solar et de Jackson Wang. Jackson Wang, c'est aussi ma chanson préférée de la semaine pour la deuxième semaine consécutive. Bon, en fait, j'avais pas vraiment d'avis cette semaine pour être honnête. J'aime toujours la chanson de Jackson Wang, mais je me suis dit, bon, ce serait sympa si je pouvais donner un petit logo à un artiste différent selon les semaines, etc. Mais je savais pas trop quoi choisir en vrai, parce que bon, j'aime bien aussi Signature, mais bon, vous le savez déjà. Enfin, bon, voilà, il y a plein de chansons que j'aime bien, donc j'ai hésité à la donner à Hong Sang-woo, Gravity, parce que j'aime beaucoup cette chanson, mais je me dis, est-ce que je l'aime au point de lui donner quand même mon logo, je sais pas. Et c'est pareil avec April, avec La La Li La La, qui est une chanson que à la première écoute, j'étais un peu en mode... Et maintenant j'aime vraiment bien, plus je l'entends et plus je l'aime bien. Donc j'ai aussi hésité à leur donner mon petit macaron. Peut-être lors de la 8ème semaine, ça sont toujours dans le char, ça l'auront. Enfin bref, voilà. La meilleure progression de la semaine, c'est Oh My Girl avec Nonstop. Une chanson que vous avez bien aimée, je pense, parce qu'elle est arrivée 10. Donc c'est à la moitié du classement, donc c'est-à-dire que c'est quand même vachement bien. Au-dessus de 10, franchement, c'est quand même vachement bien. Déjà, entrer dans le top 20, c'est pour certains qui sont fans de certains groupes et qui votent pour le même groupe ou le même artiste chaque semaine, vous savez comment c'est galère de faire entrer un artiste parfois ou de le voir s'accrocher aux dernières places. Mais dépasser la 10ème position, tu dis bon, ça va quoi, genre le truc, les gens aiment bien. Et les autres nouveautés de la semaine, eh ben on a Onew featuring avec Rasa de Mamamoo, on a aussi Stray Kids, on a aussi NCT Dream qui ont eu la first win récemment, donc félicitations les garçons. Et bien sûr, le petit featuring Zico et Kang Daniel qui est aussi entré dans le classement. Je pensais vraiment pas que ça allait rentrer parce que bon, Kang Daniel, moi j'avais bien aimé ses solos et tout le monde l'a snobé. Et il est jamais rentré une seule fois dans le classement, Kang Daniel. Et là, je sais pas, c'est peut-être parce que la chanson est bien, vous l'aimez mieux, ou parce que c'est Zico, j'en sais rien, mais bref, voilà. Bah félicitations quand même. Et oui, comme d'habitude, des chansons vont quitter le chart et d'autres chansons vont entrer dans la liste de vote et les voici. Pouh. Tu peux d'ores et déjà voter pour le classement de la semaine prochaine avec le lien qui est en description de cette vidéo. Donc de toute façon tu le verras, il est écrit pour voter pour la semaine prochaine, voilà, tu cliques là. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à me donner des exemples de chansons qui pourraient rentrer dans le classement dès la semaine prochaine. Bien sûr, ça doit être des chansons récentes, ne me demandez pas des chansons qui datent d'il y a 3 ans, parce que c'est pas possible. Mais bref, des chansons récentes. Et vous savez que vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, je sais qu'il y a plein de trucs. Mais bon, bref, vous me suivez si vous en avez envie, uniquement si vous en avez envie. Mais si vous le faites, bah, bienvenue et c'est super cool. Merci, bonjour, bienvenue. Et bah, à la semaine prochaine, du coup, pour un nouveau classement. Encore plus cool et puis d'autres actions et puis blablabla. Voilà, à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.